Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Je vous présente un nouveau glitch solo de duplication de véhicules. Donc je vous conseille des lowriders bien sûr, mais vous pourrez dupliquer tout ce que vous voulez sauf les véhicules spéciaux. Encore merci à Kevin Poto, Kevin by Apple. Sa chaîne elle sera dans la description. Abonnez-vous à lui, il gère, il est venu, il m'a donné un bon coup de main. Et demain, il va vous faire don de véhicules à partir de midi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à être là demain à partir de midi jusqu'au soir. Donc pour ce glitch, il va vous falloir le PDG, le club de motards, une Deluxo et le complexe plein, bien sûr. Donc plein de véhicules à écraser. Donc moi je vais mettre des Faggio ou des Eleggi RH8 à 0$. Ok. Donc là il est là, mais je vais le faire tout seul. Dans ce bureau de PDG, il va vous falloir que vous ayez le busard d'attaque. Parce qu'on va l'appeler en sécuroserve, on va en avoir besoin pour se faire bugger. Il vous faudra pas qu'il soit de chez Pegasus, cet hélicoptère. Donc là, je commence. Je me mets en lévitation, je vais dans complexe, je vais dans PS. Pour faire disparaître le rond jaune. Petite marche arrière. Je me mets sur le côté du complexe, je le traverse. Et une fois que j'ai le message, je compte entre 5 et 10 secondes pour laisser le véhicule dépasser le complexe. Une fois qu'il a dépassé le complexe, vous acceptez le message. Dès que vous avez accepté ce message, vous remontez sur le complexe et vous y rentrez dedans. Donc cette méthode, c'est toujours la même. C'est après que ça va changer. Les gars, un petit pouce bleu. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir si c'est pas fait. Merci pour votre soutien. Allez, c'est maintenant que ça va se corser, les gars. Donc maintenant, vous savez qu'on a mis l'hélicoptère dehors. Donc on va rentrer dans l'hélicoptère maintenant. Donc là, je refuse de faire le switch. Je fais rond X. Et je me mets sur le rond jaune. Je fais flèche de droite et je spamme triangle là. Là, vous appuyez triangle jusqu'à temps que vous entendez votre hélicoptère démarrer. Donc là, j'appuie sur triangle plein de fois. Ça va me faire monter dans mon busard. Je vais avoir le message et j'attends, j'écoute. J'attends que j'entende le moteur démarrer. Dès que le moteur est démarré, vous acceptez le message. Je le valide. Je peux ouvrir mon pavé tactique et je sors du véhicule pour m'éloigner. Donc là, je suis bugué, c'est nickel. Une fois que vous avez fait ça, les gars, il faut vous suicider. N'oubliez pas cette étape. Pavé tactile, suicide pour vous débugger. Une fois que vous êtes débugué, les gars, le glitch il est quasiment fait, hein. Il n'y a pas de problème. Vous allez voler une voiture de PNJ. Ou si vous arrivez à bloquer vos portières, ça peut le faire sans voiture de PNJ. Si vous avez un petit coin entre une poubelle et un arbre, ça va le faire. Vous ferez des tests. Si vous êtes téléporté quand vous sortez, c'est bon. Donc moi là, je prends une voiture pour vous montrer qu'il n'y a besoin de rien. Après, vous pouvez vous faire vos petites techniques solo. Donc là, merci à Kevin. Il est allé me chercher la voiture de PNJ. Là, j'ai juste à appeler la voiture que je veux dupliquer. Donc une voiture de chez Beniz, c'est le top. Les autres, vous ne pourrez pas les vendre. Et les véhicules spéciaux, ça ne marchera pas. Donc vous appelez avec votre mécano une Eleggi Custom Rétro, full, qui vaudra 970 000 dollars. Et pensez à mettre vos plaques à e-fruit. Prenez un véhicule qui a les plaques e-fruit. Voilà. Donc, vous voyez là, il a pris la voiture de PNJ, on va se bloquer ici. Moi, je vais me mettre là, je vais bloquer la portière de droite. Avec ce véhicule, je vais bloquer la portière de gauche.
Je ferai triangle. Si je suis téléporté dans la voiture, ça sera nickel. Vous faudra aussi démissionner du PDG et vous mettez en club de motards. Vous appelez votre mécano, récupérez votre véhicule que vous voulez dupliquer. Y en a beaucoup qui me disent que Rockstar vous dit que c'est plus de 50 000 dollars. Faites que des voitures qui viennent de chez Beniz et qui ont eu une transformation dans le custom. À partir de là, vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent, entre 500 et 1 million. Dans la description de mes vidéos, je vous ai mis comment faire une Eleggy Custom Rétro à 1 million pile poil. Ça peut toujours être bien. Vous en vendez 10, ça fait 10 millions tout rond. Enfin, entre parenthèses. Allez, c'est parti. On récupère notre Eleggy Custom. On va la coincer la portière de droite contre l'éolienne. Évitez de prendre des quatre portes. Ou alors bloquez bien les quatre portes. Sinon, vous allez devoir monter à l'arrière. Voilà, là, je dois sortir. Et je recule ce véhicule pour qu'il bloque ma portière. Merci, Kevin. Voilà. Donc là, si je fais triangle, je suis téléporté à l'intérieur. D'accord? Faites un test avant. Si vous avez ça, c'est bon. Allez, dernière étape. J'ouvre mon pavé tactile, je vais dans le club de motards. Et là, je vais faire triangle X rapidement. Il n'y a pas trop de timing, mais quand même. Triangle X. Voyez, le menu s'est enlevé, le véhicule est toujours là. Donc j'ai fait renvoyer mon véhicule, mais il est encore là. Et renvoyer véhicule, il est toujours cliquable. Et voilà. Donc c'est pas plus compliqué, le glitch il est fait. Donc là j'ai une duplication. J'ai juste à la rentrer dans le complexe et de la switcher avec ou un Fajo ou une RH8. Donc je vous conseille le Fajo les gars. Ça vous coûte 5 000. Mais après avec votre club de motards, vous pourrez vider rapidement votre complexe. Vous appelez un Fajo. Et vous la rentrez dans le complexe, ce qui va vous faire échanger de place vos véhicules dupliqués. À ne pas oublier aussi, toutes les duplications, il faudra les sauvegarder. Alors vous avez deux méthodes pour ça. C'est ou vous changez de personnage, vous revenez sur votre personnage, les véhicules seront faits. Ou vous éteignez, vous fermez l'application et vous revenez dans le jeu. N'oubliez pas de faire ça, ça sert à rien de les sortir, vous risquez de les perdre. Et encore moins, vous pouvez pas conduire avec. Voilà les poteaux. Donc là, moi, mon Fadjo, il est dehors. Vu que je suis en club de motards. Vous avez juste à écraser un Fadjo. Et vous pouvez sortir. La duplication est faite. Là, regardez mon mécano, je vais vous montrer que l'Eleggy que j'ai commandé tout à l'heure, elle est toujours dans le garage. Emplacement 5, Eleggy Custom Rétro. Voilà les potos, en tout cas ça me fait plaisir de vous refaire des vidéos les gars. Je suis à fond, comptez sur moi. Restez à l'affût, n'oubliez pas les notifications. Venez dans le crew, ADH x10 134 les gars. Besoin de soutien. Je vous adore et je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures. GTA Online, être riche, un pour tous, tous sur un. Ciao, ciao.